Sidonie était mon arrière-grand-mère et elle avait un peu le même genre de commerce sur la commune de Plouisy. Elle faisait table ouverte en fait, table d'hôte ouverte. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir proposer des choses maison, fraîches, avec des produits locaux, une cuisine simple, du terroir, avec une proposition salée chaque jour. Donc Sidonie a installé au rez-de-chaussée de l'hôtel La Demeure. Donc c'est une aventure familiale qui a démarré dans les années 90 avec l'achat d'un ancien hôtel particulier du 18e siècle dans lequel il y avait beaucoup de rénovations à faire. Donc ma maman et mon papa ont acheté cette maison et ont commencé à faire des chambres d'hôtes. En 2004, j'ai repris l'activité avec l'idée de finir les rénovations et de pouvoir passer hôtel, donc d'avoir plus de chambres, de faire tous les travaux nécessaires pour passer en hôtel, tout en essayant de garder l'accueil et puis le côté familial des chambres d'hôtes, dans lesquelles on a essayé de développer un petit concept un peu rigolo, c'est-à-dire que la décoration de ces chambres est à vendre. Donc si on aime le bouti du lit, si on aime les tables de nuit ou les abat-jours des lampes de chevet, on peut les acheter. Donc on n'est que des filles chez Sidonie à La Demeure. Il y a Annick qui travaille avec moi depuis assez longtemps, Brigitte et Charlotte. On fait tout un peu tout comme si c'était notre maison, donc on fait un peu de ménage et ensuite chacun fait un peu en fonction de ses compétences. Charlotte fait plus la pâtisserie, Annick aide plus sur la cuisine salée, Brigitte fait aussi du service et un peu de cuisine, donc tout le monde participe à la vie de la maison selon ses compétences et puis ce qu'il aime.